Bonjour à tous et surtout soyez la bienvenue sur ma chaîne Bibi Cuisine. Aujourd'hui, nous allons ensemble réaliser une recette facile et simple des plantains tapés. C'est un plat qui est vraiment savoureux et en même temps apprécié de tous. Et si vous êtes intéressé par la recette, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et surtout de liker la vidéo. Donc pour réaliser les plantains tapés, nous aurons besoin de 2 dents de plantain mûr et ensuite nous aurons besoin d'un oignon. Donc là, les plantains étant déjà épluchés, nous allons passer au découpage. Donc je vais les découper en rondelles. Donc voilà, une fois que j'ai fini de découper, je vais ensuite les saler avant de passer à la friture. Là maintenant, nous allons passer à la friture. Donc l'huile étant déjà chaude, je vais ajouter un oignon à l'intérieur pour parfumer nos plantains. Puis je vais ajouter mes morceaux de plantains et je vais les faire frémir environ 2 à 3 minutes à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Donc voilà, dès que mes plantains sont dorés, je vais les retirer de l'huile et je vais attendre qu'ils refroidissent. À présent que mes plantains ont refroidi, je vais écraser chaque morceau très délicatement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir une forme aplatie. Donc vous pouvez vous servir d'un verre ou d'un plat pour aplatir. Donc là, je vais faire ainsi pour tous les morceaux des plantains restants. Donc voilà, dès que tous mes plantains ont été aplatis, je vais ensuite les remettre dans de l'huile pour une deuxième friture. Donc pour l'huile, l'huile est déjà chaude, je vais juste retirer les débris des oignons que j'ai fait la première friture avec et je vais introduire mes plantains à l'intérieur. Je vais les faire frire environ 2 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient vraiment très croustillants. Là, à présent, nos plantains tapés sont prêts. Je vais retirer de l'huile et mettre dans une passoire, attendre qu'elle refroidisse avant de passer à la dégustation. Et une fois prêt, vous pouvez le servir avec de la viande grillée ou toute autre sauce de votre choix. Et voilà, vous avez maintenant la recette des plantains tapés. C'est un plat très simple à réaliser. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos. C'était tout, on se dit à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye!